À quoi vous êtes-vous occupé? Alors, en fait, je suis occupé à me préparer. Je suis arrivé le 12 mai au soir. Pendant 2 jours, j'ai défait quelques cartons pour avoir un minimum de ce qu'il me faut pour. Et puis, du 15 au 20, j'étais à l'abbaye Tournai pour me préparer spirituellement à l'ordination, donc en retraite. Voilà, donc je suis en fait vraiment aux affaires depuis le 21, quoi. Et grâce à l'agenda du diocèse, j'ai commencé par célébrer une confirmation, ce qui a été une grande joie pour moi de prendre contact avec une première paroisse du diocèse. Et puis, pour un acte, un bel acte pour un évêque. Et voilà, et puis beaucoup de rendez-vous avec les collaborateurs, aussi bien le diocèse à Tarbes que le sanctuaire ici à Lourdes, pour comprendre les organigrammes, etc., écouter chacun, me présenter les priorités, les enjeux aussi, les élans qui ont déjà été réfléchis hein, par ceux qui sont à la manœuvre depuis avant moi. Et voilà, pour être de plus en plus informé un petit peu de tout ça, le sentir. On me présente aussi un certain nombre de défis, d'enjeux qu'il faudra aborder assez rapidement avec les divers collaborateurs. Voilà, je me suis occupé à ça. En gros, à faire ce que j'avais annoncé que je ferais dès ma nomination, c'est-à-dire rencontrer, écouter, comprendre, pour peu à peu discerner les choses et pouvoir me mettre au travail avec les collaborateurs qui sont déjà en place de toute façon et qui portent le diocèse depuis plusieurs mois. Comment vous sentez-vous à quelques heures de cet événement? Étonnamment en paix. Étonnamment en paix, vraiment. Hier après-midi, on a passé un peu de temps avec les différents intervenants de la célébration de cet après-midi. Et puis voilà, tout est prêt. Tout le monde a fait un travail absolument énorme, détendu. Sympathique, accueillant, enfin vraiment. Voilà. Donc je suis un peu. Je dis étonnant parce que, quand même, il y aurait plein de raisons d'être un peu tendu, nerveux et tout ça. Alors il y a un peu de ça quand même, hein, malgré tout, je cache bien mon jeu. Ouais, mais au plus profond, bah, voilà, je suis un peu. C'est le jour le plus important de votre Le jour le plus important de ma vie, c'était mon baptême. vie. Et Je je ne vous n'avais pas rappelle gardé ma pas. conscience. Après, c'était la première ordination, celle où j'ai pris un certain nombre d'engagements et celui de donner ma vie à l'Église. Je le dirai d'ailleurs ce soir à la fin de l'ordination dans le mot de remerciement, mais que le jour de l'ordination, j'ai dit oui, je le veux à la première fois que l'évêque qui m'ordonnait me posait cette question. Et depuis, je suis dans la continuité de ces oui, je le veux premièrement donné le jour de mon ordination diaconale. Et là, aujourd'hui, je vais encore dire oui, je le veux. Mais c'est la suite de. C'est une suite, quoi. Voilà, c'est une suite. Vous sentez-vous touché que Monseigneur Jouvet vous concélèbre la messe? Ben, je l'ai invité à le faire avec beaucoup de joie et j'étais très, très heureux qu'il accepte aussitôt, très spontanément. Voilà, très, très touché qu'il accepte tout ce que je fais. Au niveau de l'assistance, vous pensez il y a des autorités civiles, religieuses, Alors oui, ils sont invités. J'ai vu dans les réponses adressées à la secrétaire, j'ai vu passer un certain nombre de réponses, une liste de gens qui seront présents, élus ou officiels, représentants des diverses autorités du département. Et voilà, c'est parce que l'ordination de l'évêque, ce n'est pas seulement un événement qui concerne la communauté chrétienne, c'est aussi un événement public. Et, voilà, dans le subtil équilibre de notre pays, la laïcité, qui fonctionne bien, hein, globalement. Bon. Bien, voilà, il y a des façons d'être, de faire, chacun dans son registre et un grand respect mutuel, qui font que, ben, voilà. Ces points de contact, l'ordination de l'évêque, l'installation de l'évêque, un de ces points de contact entre l'Église et l'État qui fonctionne bien. L'ordination à Lourdes ne s'est pas déroulée depuis des décades. Jamais, c'est la première fois. C'est la première fois que l'évêque du diocèse est ordonné à Lourdes. Il y a déjà eu des ordinations d'évêques à Lourdes, mais l'évêque du diocèse, je crois que c'est la première fois. C'est la deuxième fois. Voilà, alors on s'est accroché à la basilique Saint-Pudis, mais pas pour Mais la pas les diocèse. diocèse. Mais Monseigneur,
Poirier avait été ordonné au sanctuaire de Lourdes pour notre diocèse, mais en la basilique du Rosaire. Donc la basilique sur les fêtes, c'est pas la première fois. Mais on a cherché. Monseigneur Perrier m'avait écrit pour me dire que depuis 1926, il n'y a pas eu d'ordination de l'évêque du diocèse dans le diocèse, et que c'était la première fois à Lourdes. Mais donc c'est la seconde. C'est la seconde, c'est on ordonne à Lourdes à l'évêque pour notre diocèse, mais la première fois à Pilis. Puisque, comme on s'est appelé, la Pilis n'était pas. Oui, oui, oui. Il y avait pas Pilis, c'était là. Évidemment, oui, c'est ça. Ça, c'est les recherches récentes, ça. Vous n'êtes pas déçu de tous ces premiers contacts? Ah, pas du tout. Je suis même très impressionné. Alors évidemment, hein, les gens, ils ne me cachent pas des situations, et des situations qui sont celles de l'Église aujourd'hui, hein, ici et ailleurs, que je connais bien. Parce que comme supérieur de mon institut, la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, je connais bien la situation de l'Église aujourd'hui en France. Bon. Et donc, ce qui m'est apporté comme information, sont des illustrations concrètes de cette situation que par ailleurs je connais bien. Bon. Mais ce qui m'impressionne beaucoup et me réconforte, c'est la qualité des gens que je rencontre ici, qui sont dans la manœuvre. Franchement, hommes, femmes, religieux, religieuses, prêtres, qui sont des gens avec des personnalités, des costumes, tout ce que vous voulez, extrêmement différents, mais avec une vraie générosité et désir de faire que les choses tourne bien pour que l'Église soit l'Église, quoi. Et ça m'impressionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous attendez, franchement, à quelque chose de plus modeste. Et là, la qualité des personnes avec qui j'ai été en contact jusqu'à présent, et elle a commencé à être un peu, m'impressionne beaucoup. Et ça, je suis très ému et très heureux. Quoi. Les prêtres du diocèse seront présents, tous? Ah, j'imagine. Oui. Mais vous notez les absents? Non, pas moi. Et ceux de Toulouse, attendez. Ni moi, ni personne. Et ceux de Toulouse aussi. Et ceux de Toulouse, pas tous, enfin, voilà. Ouais. Bon paquet. C'était ça le secret de votre vocation, c'est d'être à l'écoute des autres. Et le sens. Ah, mais ça, c'est le cœur de la vocation de ce type de service à l'Église, hein. Ça, de fait. Les textes qui organisent les critères qui déterminent les aptitudes pour être prêtre, ces dernières années et même décennies, renforcent en effet les qualités humaines relationnelles. Quoi, hein. C'est... Depuis toujours, c'est important, et ça l'est peut-être encore plus aujourd'hui que jamais. Quoi. Lors de la conférence de presse, nous vous avions demandé quelle part vous réserveriez au sanctuaire et au reste du diocèse, alors? C'est comme si vous me demandiez, vous avez deux enfants, quel pourcentage de votre cœur allez-vous consacrer à l'un et quel pourcentage de votre cœur allez-vous consacrer à l'autre? En réalité, je vais consacrer 100% de mon cœur aux deux, et à l'un et à l'autre. Et je considère un peu, c'est l'image qui me vient instantanément, que j'ai ces deux enfants-là, qui sont confiés à ma tendresse épiscopale, enfin bon. Et côté cœur, c'est 100% pour l'un, 100% pour l'autre. Côté temps, ben, ce sera en fonction des besoins et de l'un et de l'autre, comme les parents qui font ce qu'ils peuvent pour s'adapter, et que l'enfant dont on n'est pas pile poil en train de s'occuper quand on s'occupe de l'autre ne se ressente pas abandonné, lâché, perdu, etc. Mais voilà quoi. Votre résidence restera à Tarbes? La résidence sera à Tarbes dès qu'elle sera opérationnelle, mais je garde la résidence ici aussi, parce que de toute façon, j'ai besoin de rencontrer les gens, de travailler à Lourdes aussi, de manière très très régulière. Alors, en fonction des évêques, maintenant on dit, un avait choisi d'être 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre, puis un autre avait choisi d'être la moitié de la semaine d'un côté, la moitié de la semaine de l'autre. Puis Monseigneur Perrier d'être plusieurs fois par jour d'un côté, plusieurs fois par jour de l'autre. Et puis Monseigneur Rouvet d'être plutôt ici. Bon, ben, voilà, vous trouverez bon équilibre dans tout ça, en fonction des besoins. Hein. Vous parlez comme Bernadette quand vous dites les deux. Là, vous me flattez. Qu'est-ce que tu as préféré de ta communion ou des apparitions? Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, de ce côté-là, Bonjour, excusez-moi, je suis un petit peu. Soyez la bienvenue. Merci. De ce côté-là, vous savez, je suis comme
comme il prononçait l'expression du président Macron, c'est et en même temps. Voilà, c'est en même temps. Je suis partisan de ce en même temps. C'est pas de dualité, c'est pas ou l'un ou l'autre. C'est, mais c'est comme ça que depuis toujours, je conçois aussi ma mission. Quand j'étais prêtre à Toulouse, il se trouve que j'étais engagé et investi en même temps au service de la formation des prêtres au séminaire et au service de la formation des laïcs collaborateurs des prêtres dans l'animation pastorale des paroisses, dans une forme de collaboration qui se mettait en place à ce moment-là dans les diocèses, qu'on appelle les équipes d'animation pastorale. Et chez les uns et chez les autres, il fallait désamorcer, chez les laïcs d'un côté, chez les prêtres de l'autre, désamorcer un schéma qui est assez spontanément celui qui s'impose. Plus de prêtres en responsabilité, etc., c'est moins de laïcs à qui on fait confiance, et plus de laïcs en responsabilité, etc., c'est que deviennent les prêtres. Moi, c'est absolument pas mon schéma, parce que c'est absolument pas le schéma de la théologie de l'Église, c'est plus de tout le monde, ou moins de tout le monde. Plus il y a de prêtres, plus il suscite des chrétiennes à leur vocation spécifique, plus il y a de chrétiens qui prennent au sérieux leur vocation spécifique, plus ils constituent des communautés chrétiennes appelantes à toutes les formes de vocation. Et donc c'est plus de tout le monde, et tout le monde s'enrichit, ou alors tout le monde meurt. Voilà. Et c'est pas l'un ou l'autre, vase communicant. Avez-vous pris contact avec le futur recteur du sanctuaire ? Bien sûr, je sais, c'est moi qui l'ai proposé, parce que c'est un prêtre dans qui j'ai grande confiance, et dont la personnalité me met en totale confiance à la fois sur son adéquation avec la mission qui est attendue de lui au sanctuaire, et à la fois l'adéquation aussi avec ce que je sais, ma personnalité. Et le tandem évêque et recteur est absolument essentiel, aussi essentiel qu'au service du diocèse, le tandem évêque-vicaire général. Mmh. Et donc, oui, bien sûr, je suis en relation avec lui, et tout à fait confiant. Il prend ses fonctions quand... Le 1er septembre, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, officiellement, son mandat s'achève le 31 août, et donc le successeur qui arrivera concrètement fin août prendra ses fonctions le 1er septembre. Entre les laïcs et les prêtres, c'est pas plutôt aussi de la complémentarité ? Bien sûr. Et chacun a sa vocation spécifique, et donc dans le visage de l'Église, aucune vocation n'épuise à elle seule la totalité de la mission de l'Église et de la vocation de l'Église. Aucune des vocations particulières à l'intérieur de l'Église n'est à elle seule la totalité de l'Église. Il faut les composer ensemble, de manière harmonieuse. Voilà. Donc, en effet, le terme de complémentarité me va parfaitement bien, mais le schéma psychologique qui vient spontanément, c'est pas celui de la complémentarité, c'est celui de la concurrence. Or, c'est pas du tout comme ça que ça marche. On vous a parlé, bien évidemment, des difficultés économiques de la ville de Lourdes. Oui, de la ville de Lourdes et de beaucoup d'autres réalités dans le département et dans notre pays plus largement, hein, évidemment. Hein. Bien sûr, oui, on en a parlé. Oui. Et le sanctuaire, il y a la ville de Lourdes, mais aussi le sanctuaire lui-même, hein, qui ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Fut-elle celle de la source. La situation financière ne s'est pas aggravée. Au contraire, je crois qu'elle a été même très assainie, grâce à des gens, une gestion responsable. Alors forcément, hein, ça, c'est un peu dur, forcément. Hein. Mais non, je crois que la situation, enfin, ce que j'en perçois, j'aurai la semaine prochaine une réunion avec justement l'ensemble du conseil des affaires économiques du sanctuaire. Mais ce que m'en a dit le recteur d'une part et puis Mgr Héroard, le délégué apostolique qui a maintenant achevé sa mission d'autre part, nous disent que la situation est équilibrée et que la reprise des pèlerinages à laquelle on assiste actuellement est très encourageante pour la suite. Parce que jusque-là, c'était les dons. Ah, mais c'est toujours les dons. C'est toujours les dons. L'Église ne vit que des dons. Alors, il y a les dons. C'est le don, parce qu'après, ce qui est facturé, entre guillemets, quand les pèlerinages viennent loger à Lourdes plusieurs jours, ben c'est des services rendus, l'hébergement, les salaires des personnels qui sont mis à la disposition. Il y a beaucoup de bénévoles, mais il y a aussi des salariés. Bon.
Donc tout ça est refacturé, entre guillemets, annuité, etc., dans les sanctuaires, mais sans dégager de bénéfices du tout. Et une fois que les pèlerins sont là, eh bien, ils participent par la quête, par le don volontaire, etc., par les achats de cierges ou des choses comme ça. Tout ça, ça apporte les dons dont vit le sanctuaire. Et en tant que nouvel évêque de Lourdes, est-ce que ça vous touche, la guerre en Ukraine? Ah, mais ça me touche pas comme un nouvel évêque de Lourdes, ça me touche comme chrétien. Oui, ça me touche comme chrétien, comme prêtre, et bien sûr. Et à Paris, la maison où nous vivons, où je vivais, jusqu'à mon déménagement, est tout proche de la cathédrale ukrainienne catholique de Paris, et on connaît bien les prêtres de cette cathédrale, il y a des liens avec eux. Et donc, évidemment, tous les jours sur ma boîte mail arrive la newsletter de la communauté ukrainienne ici de Lourdes, et qui donne des informations au jour le jour de la situation. Et oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et prochainement, il y aura une prière, un chapelet prié pour la paix depuis la grotte que je viendrai présider, bien sûr, pour la paix en Ukraine, plus largement dans le monde, mais évidemment, c'est la situation en Ukraine qui provoque cet événement à la demande du pape. La fonction de délégué épiscopal de Mgr Éroard vous est automatiquement transférée ou pas? Alors, la fonction de Mgr Éroard comme délégué épiscopal s'est achevée le 25, par décision du pape, qui a mis fin à son mandat, puisque, moi arrivant, les nouveaux statuts du sanctuaire prévoient que, sauf nomination spécifique d'un évêque pour être en charge de Lourdes, l'évêque en charge de Lourdes est, par défaut, l'évêque du diocèse de Tarbes. Ces nouveaux statuts, ils ont été faits par qui, à quelle époque? Ils ont été élaborés ici, dans le sanctuaire, à la demande du Saint-Siège d'une part, et avec l'aide d'un certain nombre de juristes, etc., de la Conférence des évêques de France. Ils ont été approuvés par vote de l'Assemblée plénière des évêques de France, et soumis ensuite à l'approbation de la congrégation romaine qui accompagne la vie des grands sanctuaires mariales dans le monde, et qui a approuvé les statuts qui sont entrés en vigueur au début de l'année 2021. Nous allons voir les... C'est les nouveaux statuts. Non, mais ça fait un moment qu'on les a eu. Donc, ça fait deux ans. Et donc, il déclare que Lourdes est sanctuaire national. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il déclare, enfin, qu'il organise la gouvernance, l'animation, la vie du sanctuaire, de telle façon que la conférence des évêques se sente impliquée dans la vie du sanctuaire de Lourdes. Ce ne soit pas le seul évêque du diocèse de Tarbes-Lourdes qui porte sur ses épaules le souci du sanctuaire. Après, concrètement, au quotidien, la gouvernance est assurée par l'évêque en charge du sanctuaire, donc l'évêque du diocèse, qui préside tous les conseils, qui prend toutes les décisions, qui signe tout ce qu'il y a à signer, etc., etc. La seule différence, c'est que le recteur est choisi par l'évêque, mais ce n'est pas lui qui signe l'acte de nomination. C'est le conseil permanent de la conférence des évêques de France qui signe la nomination du recteur. Mais ce n'est pas eux qui le choisissent, le recteur. C'est l'évêque qui choisit son collaborateur et puis qui le propose ensuite à la nomination de la conférence des évêques. Et l'autre différence, c'est la mise en place d'un conseil d'orientation qui se réunit deux fois par an, et qui est composé d'un groupe d'évêques qui est présidé par l'évêque du diocèse, et ce groupe d'évêques aide à réfléchir, à avoir de bonnes idées, etc., etc., fait partie des différents conseils qui assistent l'évêque du diocèse dans sa mission au service du sanctuaire. Voilà. Mais ça a pour effet d'impliquer les évêques de la conférence. Voilà. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien, je pense. Donc, ce n'est pas sur le registre « je demande la permission à ce conseil de faire ceci ou cela dans le sanctuaire », mais comme tous les conseils, je soumets une question, puis le conseil fait son travail de conseil, et ensuite l'évêque, fort de tous les conseils qu'il reçoit, prend la décision qu'il estime être devoir prise. Bon. Est-ce qu'à l'occasion de l'ordination d'un évêque, vous-même, vous recevez un message du pape? Alors, j'ai reçu un message du pape, en effet, parce que une fois que ma nomination est officielle, je suis allé à Rome pour rencontrer le cardinal qui s'occupe de la congrégation qui prépare les nominations épiscopales, et je lui ai remis une lettre
au Saint-Père, dans laquelle je lui dis l'acceptation de la charge qu'il me confie, et je lui recommande de prier pour moi, pour le diocèse, etc. Et je reçois une réponse ensuite. J'ai reçu une réponse transmise par le cardinal en question, qui aura un mot d'encouragement, de sympathie, de bénédiction. Qui ne sera pas lu à la cérémonie. Non, non. C'est pas ça. Ce qui sera lu tout à l'heure à la cérémonie, tout à fait au début de la célébration, c'est ce qu'on appelle la bulle pontificale de nomination. C'est un texte qui est présenté solennellement, qui est écrit en latin, on a préparé une traduction, et le chancelier du diocèse, le père Antoine Mérigon, proclamera cette bulle de nomination. Ça fait partie du rite de l'ordination.